FM, l'invité du 16-20. C'est le 16-20, soyez les bienvenus. Si vous nous écoutez dans la voiture, on vous fait coucou parce que nous sommes en Facebook Live et le gars qui nous fait coucou juste à côté de nous s'appelle Slimane et c'est notre invité. Bonjour Slimane. Bonjour, ça va? C'est à toi qu'il faut demander comment ça va. Ça va, je suis très content d'être là. Bah ouais, on est content de te revoir parce merci. Que dis donc, on savait que t'allais bien, que t'avais plein de nouveaux projets, mais enfin on va pouvoir en parler avec toi. Merci. Le nouveau single, c'est La Recette. De quoi tu me parles, dans ma tête, y a toi et moi. Il est tout chaud. Ah ouais, là, ça sort du four. Ouais, il sort du four celui-là. Pour la recette, ça tombe bien. Recette de quoi d'ailleurs? Voilà, j'ai voulu te demander qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient là-dedans, qu'est-ce que tu as mis dans cette chanson? Beaucoup d'amour, j'espère de la sincérité et d'envie aussi. Franchement, j'avais envie de revenir en studio et de réécrire des chansons pour moi. Ça commence à faire longtemps. Et surtout, ouais, envie de retrouver aussi le public, ça fait du bien. Mais ce qui est bien, c'est que t'es naturel, même sur les réseaux. Quand t'as besoin d'être tranquille, tu le dis. Quand t'as besoin d'être joyeux et de te montrer, tu le dis. On te suit, tu es comme les gens dans la vie, dans la rue, voilà, tu es normal. Ouais, bah je crois que c'est ce qui, franchement, je pourrais pas faire autrement. j'ai ce besoin de ne pas mentir, d'être moi-même. Et franchement, dans la vie en général, je crois que quand on est nous-mêmes, c'est quand même plus simple. On a envie d'aller plus loin avec toi, mais on a hâte de t'entendre chanter. Yakov est au clavier, Simon est à la guitare et Slimane, le nouveau single en live, on y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors les amis, nous sommes en Facebook Live, donc vous pouvez venir commenter, vous pouvez envoyer des messages à Slimane, on les regardera sur la page Facebook d'RFM. C'est un grand plaisir de l'avoir et en plus il y aura une petite surprise juste après, mais pour l'instant, le nouveau single qui s'appelle La Recette, Slimane en direct dans le 16-20. Tu sais, tout le monde autour pourrait me quitter. Tant que t'es là, je suis bien mon amour. Faut pas l'oublier. Et même si dans ton monde tout est sourd, laisse-moi le changer. Mais quand je t'aime, tu doutes mon amour. Moi, je peux pas t'oublier. Ça crie, ça casse tout dans la maison. Pourtant on a compté les saisons. Tu vas pas partir sans raison, non. De quoi tu me parles? Dans ma tête y'a que toi et moi. La recette c'est toi et moi. On sait déjà. Pourquoi tu pars à la fête? Je ne pense qu'à toi. La recette c'est toi et moi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, j't'ai dans la tête. Ne me quitte pas, tu sais dans ma tête, c'est toi et moi. Juste toi et moi. Et maintenant, posons les cartes sur la table. Donne-moi des raisons valables, je comprendrai. Et maintenant, dis-moi pourquoi toutes ces peurs. Mais s'il te plaît, tout en douceur, car je comprendrai. Ça crie, ça casse tout dans la maison. Pourtant, on a compté les saisons. Tu vas pas partir sans raison, non. De quoi tu me parles? Dans ma tête, y'a que toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On le sait déjà. Pourquoi tu pars à la fête? Je ne pense qu'à toi. La recette c'est toi et moi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. J't'ai dans la tête. Ne me quitte pas, tu sais dans ma tête. C'est toi et moi. Juste toi et moi. Tu sais, tout le monde autour pourrait me quitter. Tant que t'es là, je suis bien mon amour. Ouais, faut pas l'oublier. De quoi tu me parles? Dans ma tête, y'a que toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà. Pourquoi tu pars à la fête? Je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi et moi. Ne me quitte pas. De quoi tu me parles? Dans ma tête, y'a que toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà. Pourquoi tu pars à la fête? Je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi et moi. Ne me quitte pas.
me quitte pas, je t'ai dans la tête, ne me quitte pas. Tu sais, dans ma tête, c'est toi et moi. Juste toi et moi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Oh là 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 là, ne faites pas ça chez vous. La recette, Slimane, nouveau single en direct et en Facebook Live. Quelle sur la voix, page RFM. À chaque fois, on est sous le charme. C'est fou, t'as vraiment une des plus belles voix. On est vraiment, on adore Vita, je te jure que c'est vrai. Mais on avait envie aussi de t'entendre chanter tout seul. Ben, merci, ça me touche beaucoup. Oui, merci. On a l'impression que tu pourrais chanter à la queue leuleu et ça nous, on serait ému quand même. J'ai essayé, non, quand même pas. Non, c'est pas vrai. Non, mais merci, ça me touche et franchement, moi aussi, j'aime Vita, c'est ma sœur, on se parle encore il y a deux minutes, elle me disait bonne chance. Mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on avait un énorme truc, c'était formidable. Et aujourd'hui, revenir un peu aux bases et pouvoir avoir une certaine liberté qu'on n'a pas quand on est deux, ça fait du bien. Mais les deux sont bien parce qu'il faut se souvenir que tu as fait deux albums solo avant. Il y avait, ouais. Alors, quand est-ce que tu rates un truc en fait? Parce que les deux premiers ont cartonné aussi. Il y a des petits trucs que j'ai ratés. Hein. Il y a des singles qui sont passés. Oui, mais, ça mais c'est bien, c'est l'histoire aussi. C'est ce qui fait que. Voilà. Et pour venir à Vita, je crois qu'on s'est. On s'est laissé des beaux cadeaux tous les deux dans mon album. Ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'il y a un peu d'elle c'était sans le vouloir, mais elle m'a laissé voilà un petit peu de l'art qu'elle a en elle et je crois que j'espère lui avoir laissé un peu du mien et ça fait du bien. Et tu seras demain à la finale de The Voice. Oui, je suis et trop alors, content. J'ai appris que tu avais écrit une chanson pour une des finalistes qui s'appelle Caroline Costa. Ouais. C'est en 2018. Ouais, j'aime trop Caroline et franchement, je lui souhaite. C'est une fille en or avec une voix en or. Et parfois, il y a des moments. Moi, en fait, elle a un peu la même histoire que moi, c'est qu'elle a fait plein de choses et ça n'a jamais vraiment, vraiment pris. Et je crois que des fois, il y a des. Voilà, quand ça s'aligne et j'espère que ça va s'aligner pour donc elle. Demain, tu es dans la team Marc Lavoine. Demain, non. Non, ah non, parce que malgré tout, je peux. Aimer Caroline ah, à la génial. Folie, je reste de la team. D'accord, pour, on regardera. Toute la vie. Hier, tu as tourné le clip. Quand est-ce qu'il sort ce clip de la recette? Parce qu'on a vu quelques images, une espèce de dessin animé où tu as des ailes d'ange, ange ou démon d'ailleurs. Ouais, ça dépend de l'heure. Ça fait rire tout le monde. Hein, ouais. C'est ça. Le clip, on l'a tourné. J'espère qu'il sera prêt d'ici deux semaines, max trois. Quoi. Et alors, cet album, c'est pour la rentrée? Ouais, fin août, début septembre. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y a dû. Alors, est-ce que vous avez interagi avec Vita ou pas du tout? Alors là, vous avez séparé pour dire on fait un truc solo. Voilà. Alors, je vais être très très franc. À la base, on s'était dit absolument on va travailler ensemble chacun sur nos albums respectifs et tout. Il s'avère qu'on a eu des enfants en même temps et que les plannings ont été vraiment bousculés. Et du coup, en fait, je me retrouve à sortir un album avec aucune chanson quoi, avec elle. Mais c'est pas grave, on va se rattraper sur la réédition de l'album. Et puis c'est bien aussi de faire des choses. Mais on avait vraiment envie de garder ce petit truc de Versus et on n'a pas réussi. Quoi, de toute façon, vous pouvez faire une crèche mobile avec Kenji, Vita, Amel. Bon, on va sortir une crèche avec tous les bébés. Oui, ils vont faire un groupe dans pas longtemps. Oui, c'est ça. On va se faire un petit tour d'horizon. On peut pas te recevoir sans réécouter un petit peu pour que les gens se rendent compte à quel point cet album Versus a été un phénomène. Quelques titres, évidemment. Nico est à la console, Carole est à la vidéo. D'ailleurs, Nico, tu peux enchaîner, hein, tu peux. Il y en a juste pour une demi-heure, vous inquiétez pas. Il y a tellement de tubes. Allez, encore un petit. Voilà, 1 million d'albums, tu sais que ça n'existe quasiment plus. C'est une fois tous les 3-4 ans que quelqu'un fait 1 million d'albums. Franchement, on en a conscience. Je pense que là, ce qu'on a vécu, on a de la chance de le vivre déjà une fois dans une carrière. C'est juste hallucinant. On n'a pas de mots, on vit ça, on a vécu ça un peu dans une bulle. Et en plus, il y avait le Covid, c'était très particulier. Mais vous êtes, je crois que dans mes souvenirs, vous êtes les premiers à avoir été impactés parce que ça commençait juste au début du confinement. Le premier jour du confinement, je crois que c'était notre premier concert, un truc dans le genre. Un truc de dingue. Et du coup, après, d'avoir pu retrouver le public après et d'avoir eu cette conscience-là de l'importance du live et tout, ça a été juste formidable. Il y a une vraie communion avec les gens, c'est trop beau. Tu avais participé à la chanson de l'année, là c'est au mois de juin avec RFM. Quelle est pour toi la chanson de l'année parmi tous les artistes que tu as écoutés cette année? Tes potes ou pas d'ailleurs? Il y en a
une. Quoi, moi, cette année, j'ai été fan de Clara Luciani. Bah, elle est dedans. Donc, ouais. Elle est dedans. Ouais, ah, elle se respire encore. Je suis fan d'elle. Ah, bah, très bien. Voilà. Donc, c'est ton choix. Ouais, je ne sais pas qui y a d'autres, mais en tout cas, Clara, ouais, je trouve qu'elle a fait très fort. Il y a Juliette Armanet, il y a Claudio Capeo avec Mama. Ouais, il y a le disco, c'est ça, Juliette Armanet. Ouais. Ouais. Ah, ça va être dur. Hein. Ah ouais, c'est pas facile. Alors évidemment, on a passé en vue quelques titres de cet album avec Vita. Et ben, tu veux nous faire un petit cadeau puisque tu nous as préparé une version acoustique de Ça va, ça vient. Ouais, j'ai bien remixé. Hein. Eh ouais. Ah bah, allons-y. On arrête parce qu'on la connaît par cœur, mais pas sous cette version-là. Nous sommes en direct sur RFM et en Facebook Live, Slimane avec Simon à la guitare, Yakov au clavier. Allez sur la page Facebook, Ça va, ça vient, version 2022. Dis-le-moi si tu te sens seul au milieu de la foule, quand plus rien ne sait toucher ton cœur. Dis-le-moi si ça fait trop mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal c'est normal. Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai. Combien de fois on a dû se relever? Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça ne tient à rien. Dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient, ça ne tient à rien. Au fond, tout va bien. Dis-le-moi, si plus rien n'a de sens, si tu n'as plus la foi, plus rien à donner. Dis-le-moi, si t'as tout essayé, tout tenté, espéré. Que ton monde change, tu le sais. Dans la vie, on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient, ça tient à rien. Dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça ne tient à rien. Au fond, tout va bien. On n'est pas bien là. Alors, on n'est pas bien. On n'est pas bien là. En vrai, qu'est-ce qu'on est bien? On n'est pas bien là. Alors, on n'est pas bien. On n'est pas bien là. En vrai, qu'est-ce qu'on est bien? Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Ta-da-da. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Magnifique. Quelle belle version! Magnifique, bravo les garçons, Simon, Yakov et Slimane, évidemment, en direct sur la page Facebook d'RFM. Waouh! Voilà comment on revisite. Et quand ça vient, ça va avec toi. Merci. Bravo aux musiciens. Parce que oui, sans eux. C'est bien, on la redécouvre. Bah ouais, c'est ça qui est sympa. Parce qu'on l'a entendu à un moment. Tu sais quoi, à un moment donné, quand on le passait, il n'y a pas de cachet. On dit, oh non, ça va, ça vient encore. On l'a déjà passé hier. Tu t'imagines bien qu'au bout de je sais pas combien de dates, moi aussi, j'en peux plus. Alors, la tournée, j'étais en train de scroller mon écran d'ordinateur. Je dis, mais non, mais
c'est pas possible. Ouais. Autant de dates, ça commence à Mâcon le 1er juin, Chambéry, Aix-en-Provence, le stade Pierre-Mauroy de Lille le 25 juin, des festivals cet été, puis ça reprend avec Vita, jusqu'à Noël presque, avec la Défense Arena. Ouais. Il va falloir prendre des vitamines. Parce que vous avez... Ouais, surtout qu'on a déjà fait ça l'année dernière. Et là, on recommence. Mais franchement, encore une fois, on parlait du caractère un peu exceptionnel de ce projet. Moi, je suis content. Je suis content de le faire. C'est vrai que ça va être, je pense, un sport. Mais en même temps, ce qu'on vit, on ne sait pas si on va pouvoir le revivre un jour. Et là, on veut finir en apothéose avec les gens, avec le public. Mais c'est le juge de paix, en fait. Quand tu commences à remplir des salles de 30 000, tu dis que les gens ont envie de vous voir et envie d'avoir. Ouais, et c'est juste incroyable. Bon, si on m'avait dit ça avant, j'aurais jamais cru. Donc, je profite. Bah merci en tout cas pour tes bonnes ondes, non, pour la recette et pour les recettes de cuisine qu'on continuera de suivre. Ah, merci, très bien, Simon. Merci beaucoup. Merci. Parce qu'il a fait ça sur ses réseaux. Hein. Ouais, j'aime trop cuisiner. Monsieur est cuisiné en théorie et dans la pratique. La recette. Merci beaucoup, Simon, d'être venu en direct. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. 16h, 20h, vous écoutez Patangeli et Marie-Pierre Chambry sur RFM.